actions des autres dans ma vie. Et je m'arrête là. Est-ce que nous sommes capables d'être reconnaissants pour ce que nous avons reçu des autres? Pour en donner davantage mieux aussi aux autres. C'est une chaîne qui est formidable. On reçoit, on la transforme et on la fait vivre avec les autres. Autrement, c'est la mort. On ne ressuscitera pas si nous restons dans une dynamique de celui qui ne bouge pas. Il faut bouger, changer, renouveler, se convertir. Et c'est la nouveauté de la vie que Dieu nous y aide. Amen. Amen. Le sacrifice de toute l'Église. Nous t'en prions, Seigneur, accueille la supplication de ton peuple quand tu te présentes ce sacrifice. Fais qu'à l'intercession de la bienheureuse Marie, mère de ton Fils, nulle attente ne soit déçue, nulle demande ne reste sans réponse par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, Père Saint, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de te proclamer admirable dans le triomphe de tous les saints et plus encore de dire la grandeur de ta bonté
pour fêter la bienheureuse Vierge Marie en reprenant son cantique d'action de grâce. Oui,